Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve pour ma morning routine soin visage. Donc, le matin maintenant, je teste le gel nettoyant visage de chez la marque Huygène. Enfin, voilà, j'espère bien le dire. Voilà, donc c'est celui-ci. Et en fait, c'est senteur bois de rose. Et franchement, ils sont vraiment super bons. Donc, c'est un gel nettoyant visage aux huiles essentielles de bois de rose et lavande. Et franchement, je l'adore. J'ai la peau sèche et déshydratée. Et nickel, ça tirait pas. Ensuite, je vais utiliser ma brume de chez Christian Lenard. Donc, c'est une brume purifiante. Soin visage et corps. Donc, j'utilise que pour le visage en fait. Voilà, j'en mets un petit peu sur mon visage. Une fois que c'est à peu près absorbé, voilà, je tapote un petit peu pour le surplus. Ensuite, je vais utiliser mes crèmes pour les yeux. Donc, c'est cette crème-là. D'ailleurs, il ne me reste plus grand-chose. Donc, j'attends de le finir. Voilà. Après, je vais vous parler la crème Nivea Luminous Anti-Tache. Et franchement, j'en suis vraiment contente. C'est pour ça que du coup, je me suis dit, on va faire directement la Morning Routine Beauté Visage. Donc, c'est un sérum correcteur. Donc, c'est celui-ci. Donc, voilà. Et en fait, elle a beaucoup diminué. J'en avais un petit peu là aussi. Et en fait, ce sont des taches dues au soleil et tout ça. Et du coup, en fait, elle fonctionne. Et j'en suis vraiment très contente parce que maintenant, ça fait plusieurs semaines que je l'utilise. Donc, c'est une crème comme ceci. Et en fait, elle est vraiment géniale. Elle pénètre facilement à la peau. Et elle sent super bon. Ma peau, après, elle est super douce. Franchement, elle est vraiment top. Hein. Je l'aime beaucoup. Et le fait qu'en fait qu'elle fonctionne quoi, donc c'est bien quand on trouve des produits vraiment top. Bon sinon j'espère que vous allez bien. Du coup ben voilà, j'ai dit je vais faire une petite vidéo comme ce matin ça a l'air d'aller. Je me suis pris un petit cachet pour soulager un peu mes épaules. Donc là ça va. Ensuite j'utilise mon sérum vitamine C et E de chez la marque Yehout. Pareil, voilà, donc je me mets juste, voilà, donc c'est un super sérum aussi que j'aime beaucoup. Donc c'est vraiment des sangs que j'essaie d'utiliser un peu tous les jours. Après, bon, je varie selon mes envies et tout, ce que j'ai envie, ce que j'ai besoin. Mais là, en ce moment, c'est vraiment ma petite routine, une bonne petite routine. Ensuite, j'utilise Vichy. Bon, voilà, donc j'aime pas mettre mon doigt dedans, donc du coup, je prends l'embout d'un de mes pinceaux. Et cette crème là aussi elle est vraiment géniale et j'ai la peau un peu plus ferme. Oui, je fais toujours mes soins vers le cou tout le temps en fait, c'est parce que c'est une partie du corps aussi que j'ai tendance un peu à oublier. Et ensuite, j'utilise une crème hydratante de chez la marque Imparfaite. Et franchement, elle est vraiment géniale. Pareil, il me reste qu'un fond. Elle est... Pareil, ça pénètre facilement à la peau. Et franchement, j'aime bien. Et là, j'ai la peau bien hydratée. Et elle est vraiment... topissime. Franchement, j'adore.
Et ensuite, pour mes lèvres, j'utilise Nuxe Rêve de Miel. Donc, c'est un baume nourrissant et réparateur. Et franchement, il est vraiment génial. Donc, j'utilise un pinceau. Et voilà. Et après, ça sera place au make-up, mais ça, c'est pour peut-être une prochaine vidéo. Voilà, donc j'espère que ma petite routine vous aura plu. Et je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Bisous!